J'ai peur de perdre mon partenaire. Bonjour, bienvenue à tous les amis. Je suis Priscilla Canapel, votre coach sentimental et en développement personnel. Aujourd'hui, vous vous trouvez dans une situation où vous avez peur de perdre votre partenaire. Ça peut être lié à des blessures passées, le fait d'avoir des relations où vous avez vécu une infidélité, où votre partenaire vous a quitté du jour au lendemain, ou bien toutes ces choses liées au passé qui vous ont fait mal, une relation avec un pervers narcissique et une relation toxique. Toutes ces choses, en fait, c'est vraiment le fait que, en quelque sorte, vous vivez vraiment, en fait, pour votre partenaire. Il y a un aspect où vous avez besoin de votre partenaire. C'est un peu, en quelque sorte, une dépendance affective. Et cette situation, c'est dans le sens où on a peur de perdre son partenaire. On va avoir des craintes vraiment profondes, des angoisses, et ce qui va résulter en fait du fait que on va avoir un comportement négatif, de la jalousie, de la possessivité, des émotions qui vont monter très haut, et ça va donner des crises de colère, des remarques et des tensions dans le couple. Et en fait, petit à petit, ce genre de peur peut justement en fait faire tout simplement en sorte que vous perdiez votre partenaire. Parce qu'il faut savoir vraiment et honnêtement, pour l'avoir vécu, plus vous avez peur de quelque chose, plus ça finit par se réaliser. Pas parce que c'est fondamentalement comme ça, ça arrivera de toute façon. Non, c'est parce que vous avez tellement peur de ça que votre comportement va découler de manière négative et ce qui va causer en fait la rupture et que vous perdez cette personne. Aujourd'hui, plutôt que de vous concentrer déjà sur cette personne, ça va être important de travailler sur l'aspect du couple, mais ça va aussi être extrêmement important que vous compreniez d'où viennent ces blessures, de travailler sur vous, de vraiment en fait comprendre que votre bonheur ne doit pas dépendre d'une autre personne, que votre bonheur, c'est déjà vous. C'est déjà d'être heureux et épanoui dans tous les aspects de votre vie. Comme je l'ai déjà dit et je ne le répéterai jamais assez, une vie épanouie, c'est avoir une vie familiale épanouie, un travail qui nous plaît où on est heureux de se lever tous les matins sans avoir la boule au ventre, avoir une vie sociale épanouie, avoir des amis, rencontrer des gens, s'ouvrir au monde et avoir une vie sentimentale épanouie. Tous ces aspects de votre vie sont importants dans votre quotidien. Vous ne devez pas seulement vivre pour votre couple, pour votre famille. Vous restez un être humain, vous restez une femme, un homme. Et l'épanouissement personnel, c'est important. Parce que oui, l'épanouissement personnel, c'est vraiment important. Si les gens vous disent « pensez à soi, c'est égoïste », non, c'est nécessaire. Parce qu'aujourd'hui, si en tant que femme ou en tant qu'homme, vous n'êtes pas heureux, vous ne pourrez pas apporter le meilleur de vous-même dans une relation. Et ça va créer des peurs, des angoisses, vraiment profonde. Et moi, aujourd'hui, je vous le dis pour l'avoir vécu, sincèrement. Vous devez apprendre à avoir une vie dans tous les aspects de votre vie, comme je l'ai dit. Le côté professionnel, le côté familial, le côté social, le côté sentimental, mais aussi le côté personnel, votre vie, la personne que vous êtes. Mais attention, quand vous êtes dans cette situation, il va falloir, comme je vous dis, que l'aspect de votre vie en globalité soit épanouissante, mais aussi que votre vie à vous en tant que couple soit, on va dire, bien stable. Et pour cela, il va falloir amener de la nouveauté, il va falloir partager des moments uniques, des moments, on va dire, joyeux, palpitants, qui vous permettent de créer vraiment de nouveau une attache émotionnelle pour pouvoir en fait aller de l'avant et vous épanouir dans votre vie de couple. Mais avant ça, il faut comprendre la peur. Trouvez la solution. Déjà, si vous êtes devant cette vidéo, c'est que vous prenez conscience qu'il y a un problème. Et de prendre conscience du problème vous permettra vraiment en fait de prendre conscience que oui, j'ai un problème, mais je peux le résoudre. Et avant de continuer et de préciser qu'est-ce qu'on peut faire, n'oubliez pas, et je vous remercie à tous, de vous abonner à cette chaîne, de me laisser un petit pouce bleu, un petit message et je vous répondrai. Merci à vous tous de faire grandir cette chaîne. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, vous êtes dans cette situation où vous avez vraiment peur et c'est vraiment quelque chose qui vous prend en tripes. Et comme je l'ai dit, ces comportements, il peut y avoir la jalousie, la possessivité,
des montées de colère, de rage parce que votre partenaire est distant, mais plus vous allez en fait taper et vouloir dire, crier, avoir un comportement, que ce soit de la jalousie, peu importe, négatif vis-à-vis de votre partenaire, plus vous allez le faire fuir. Et ça, honnêtement, c'est pas ce qu'il faut faire, les amis. Aujourd'hui, il va falloir prendre conscience que vous ne devez pas avoir peur de perdre cette personne. Et si vous avez peur, vous devez déjà vous concentrer sur vous, prendre confiance en vous à nouveau, comprendre pourquoi vous avez cette peur. Et le fait de comprendre la source du problème vous permettra de travailler dessus et de vous dire, ok, j'ai vécu ça, mais c'est pas pour autant que ça va se reproduire. Et croyez-moi, c'est vraiment possible de reprendre sa vie en main, de reprendre confiance en soi, de reprendre confiance en l'amour, parce que oui, en amour, on a des fois peur d'avoir confiance en une personne parce qu'on a souffert, mais croyez-moi, je sais que c'est important que vous vous reconstruisiez, mais surtout que vous cessiez en fait d'avoir cette crainte, parce que ça, c'est ce qui va créer justement la peur. Et la véritable peur que vous avez va se manifester et vous allez perdre la personne que vous aimez. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, comme je l'ai dit, et à me laisser un message. Et je vous dis à la prochaine vidéo.